Un navire des gardes-côtes chinois qui tire au canon à eau sur un bateau philippin en mer de Chine méridionale. Une situation qui s'est répétée ces derniers jours et qui est à l'origine des récentes tensions entre les deux pays. Après cet incident, les Philippines ont annoncé lundi avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine. Pékin, qui accuse le bateau philippin d'avoir voulu entrer de force dans les eaux chinoises, revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Et ce, malgré une décision de justice internationale qui date de 2016.